Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Bienvenue dans la zone Jeux de société. Alors aujourd'hui, je suis très content de vous faire une présentation d'une partie de Dune Imperium, ce genre de jeu bizarroïde qui est comme été attendu par personne, mais qui est arrivé de nulle part et qui finalement semble créer un certain buzz. Alors oui, on a la possibilité de jouer en solo à ce jeu-là, qui est un jeu de placement d'ouvriers, un jeu de deck building avec gestion de ressources dans le monde de Dune, où on va avoir des combats. Oui, on peut jouer en solo avec un automa qui va imiter deux participants, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'avoir une invitée spéciale pour jouer à ce jeu-là. Alors, je vous présente Hélène! Salut! Ah oui, et oui, et non, c'est pas Stéphane. Donc, je vais pas faire un combat contre Stéphane aujourd'hui. Alors, je vais me battre sans merci contre Hélène, alors qui va donc incarner une des différentes maisons de Dune Imperium. Est-ce que tu connais Dune? De réputation. De réputation, et parce qu'on a joué à une partie avant. Ça oui. On a appris à connaître un petit peu le fonctionnement des différentes factions. Moi, je connais un petit peu le monde, mais pas beaucoup. J'ai pas lu les livres. J'ai regardé les films quand j'étais très... le film quand j'étais très jeune. Là, j'ai le livre maintenant que j'ai reçu à Noël. Donc, je vais pouvoir m'y intéresser. Fait qu'on va vous faire trois épisodes. Alors, le premier épisode, c'est la mise, c'est l'épisode 0, fait qu'on va y aller tout de suite avec la mise en place de Dune Imperium. On est dans sur quelle chaîne? Jeux de société. La zone. Ah, oh, la jeux zone de société. Oui, merci, merci. On y va, tout de suite. Commencer avec la mise en place, et comme vous pouvez voir, je suis seul et abandonné pour cette mise en place, mais c'est correct, j'aime bien ça, faire des mises en place pour des jeux. J'ai l'impression de m'attarder un peu plus sur les mécanismes, en tout cas, à chacun leur joie et leur peine par rapport aux jeux de société. Bon, ben moi, de mon côté, bon, première chose, évidemment, on doit placer le plateau le plus près possible de tout le monde, évidemment, dépendamment du nombre de joueurs que l'on joue. Donc, je vous rappelle que là, on joue une partie à deux joueurs, mais qui va imiter une partie à trois joueurs grâce à un genre d'automa qui est la maison Hagal. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de nécessairement connaître tout le monde de Dune pour vraiment apprécier ce jeu-là, mais c'est sûr que comme n'importe quel jeu qui a une licence, plus vous allez, je pense, connaître l'ensemble du monde, et plus, je pense, vous allez avoir encore un plaisir plus grand, parce que ce jeu-là semble être assez thématique. Je dois vous avouer, par contre, que de mon côté, je suis pas le plus grand des connaisseurs de Dune, et j'ai décidé de remédier à la situation. D'ailleurs, pour le temps des fêtes, j'ai demandé de recevoir le livre Dune que je n'ai jamais lu. Je le sais, c'est un blasphème ce que je suis en train de vous dire là, mais voilà. Fait que la première chose, évidemment, bon, fait que là, vous avez mis le plateau, et ensuite on va prendre ce petit personnage là qui s'appelle un Mantat. Et ce que j'ai compris, c'est que dans le monde de Dune, ils ont une certaine aversion des intelligences artificielles, et ils ont donc mis en place des humanoïdes qui sont des experts calculateurs. Alors vous avez un Mantat ici qu'on va mettre à l'endroit sur le plateau, juste là. Puis après ça, bien, il y a quatre maisons spécifiques avec qui on va pouvoir augmenter notre influence pendant la partie. Alors, on a les Freemen, et là on doit prendre le petit jeton qui est dessus et qui est ici, et on va le mettre sur le plateau. Ensuite, on a les Bene Gesserit, et d'ailleurs ce sont toutes des cartes, des types de cartes qu'on va pouvoir également donc prendre. Donc on prend le petit jeton et on le met ici à l'endroit. Ensuite, on a le Spacing Guild, les experts ici, on pourrait dire des épices. Puis finalement, on a l'Empereur. Alors on met ça, et pendant toute la partie, on va pouvoir augmenter notre influence et se faire des points de victoire comme ça, en jouant tranquillement, pas vite. Ensuite de ça, on va prendre le deck de conflit. Alors dans cette partie-là, dans ce jeu-là, ce qui est très cool, c'est qu'on a
un certain élément assez thématique de... le jeu tourne beaucoup autour de conflits armés, mais d'une façon, vous allez voir, qui est quand même très, très simple. Et à chaque fois qu'on va avoir un conflit armé, on va, donc à chacune des rondes, on va tourner une de ces cartes-là. Et cette carte-là va nous indiquer quels seront donc les avantages pour ceux qui vont avoir gagné le conflit pendant cette ronde-là, ceux qui vont finir en deuxième position. Et lorsqu'on joue à 1, 2 ou 3 joueurs, on ne ramasse jamais la troisième position, à moins qu'il y ait une égalité pour la deuxième position. Mais c'est seulement dans les parties à 4 joueurs. Donc on a des conflits 1, on a des conflits 2, et on a, là j'ai les cartes d'intrigue de mélanger avec, et on a également des conflits marqués 3 qui sont juste ici. La première chose qu'on devait faire, c'est qu'on prend les 4 cartes de conflit 3 et on les mélange bien comme il faut. Alors ces 4 cartes-là vont toujours être utilisées à toutes vos parties, donc il n'y aura pas de variété à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de variété dans le deck de conflit, donc voilà. Donc je les place ici sur le plateau. Ensuite de ça, je prends toutes les cartes de conflit 2. On voit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, je les mélange et je vais en piger 5 au hasard. Donc, c'est là que la petite variété va peut-être arriver pendant chacune de vos parties. Donc, j'en prends 1, 2, 3, 4, 5 et je les mets par-dessus ici. Donc, les niveaux 3. Et ensuite de ça, je prends toutes les cartes de niveau 1 qui sont juste là. Alors, il n'y en prend qu'une seule. Donc, une seule carte de conflit 1 des cartes qui sont là au hasard. Et on la met ici par-dessus. Et toutes les autres boîtes, dans le fond, retournent dans la boîte. On va continuer de s'occuper des cartes. Donc, dans le jeu de Dune Imperium, vous allez avoir des cartes d'intrigue. Alors, ces cartes d'intrigue-là, ce sont des cartes qui vont pouvoir nous donner des habilités spéciales. Ça peut être pendant les combats, ça peut être à n'importe quel moment pendant notre tour, ou ça peut être aussi à la fin de la partie. Alors, ce sont des cartes qui me font beaucoup penser aux cartes qu'il y avait dans le jeu Lords of Waterdeep, qu'on pouvait s'accumuler et qui pouvaient changer la donne. Donc, on fait tout simplement donc les bien les mélanger. Et ensuite de ça, on va les placer à un endroit proche pour que tout le monde puisse les prendre sur le plateau. Donc, je vais les mettre ici. Ensuite, on a ici, comme dans tout bon deck builder, je vous rappelle que c'est un deck builder. Hein. Alors, on a des cartes qui sont disponibles à tout le monde. Donc, on a des cartes de Fold Space ici. Je vais tout vous expliquer le fonctionnement des cartes. Ces cartes-là, on peut seulement et uniquement les prendre si on va s'installer avec notre agent ici sur le plateau. Alors, on les met à un endroit sur le plateau. Ensuite, on a ici ces cartes-là qui s'appellent The Spice Must Flow. Et on voit qu'ils vont donc nous coûter 9 de persuasion et qui vont nous permettre de faire des points de victoire en fin de partie. C'est une carte qui n'a pas d'autre, vraiment de grosse autre utilisation à part de nous donner des épices. Et c'est pas un jeu qui va avoir beaucoup, beaucoup de points de victoire. Le but du jeu étant le premier qui se rend. En fait, c'est soit on passe à travers le deck de conflit qui est là, qui a 10 cartes, donc c'est une partie qui va durer un maximum de 10 rondes, ou aussitôt qu'on a un joueur qui arrive à 10 points de victoire, bien, ça marque la fin de la partie, mais c'est celui qui a le plus de points de victoire qui gagne la partie. Et ensuite, on a des Arrakis Liaison, qui sont des cartes Fremen. Donc, ces habilités, c'est pas ces habilités, mais les cartes qui vont avoir une certaine alliance avec une des maisons, qui vont pouvoir nous faire on va pouvoir faire des combos. Alors, ce sont des cartes disponibles pour pouvoir acheter qui coûtent 2 persuasions, qui sont disponibles pour tout le monde. Et après ça, bien, on doit prendre toutes les autres cartes qui ont une bordure noire ici, c'est très important. Et ce sont toutes des cartes que l'on va donc utiliser. Qui vont faire partie de notre aspect de deck building pendant la partie, justement. Alors, on prend le temps de bien les mélanger, bien comme il faut, parce que c'est un deck très important, je vous dirais, parce que le jeu tourne beaucoup autour de ça. Alors, je les place ici, et ensuite, on va en révéler 5. Et ce jeu-là, ce qui est un peu spécial, même si vous jouez en solo, il n'y a pas de technique de... où les cartes vont partir, donc vous pouvez les placer un peu n'importe comment, mais vous avez donc les 5 cartes qui sont comme le marché qui sont disponibles, et les cartes qui vont avoir plusieurs utilisations. Premièrement, ça ici c'est très important, je vais vous expliquer tantôt, mais ces symboles là vont permettre d'être joués en collaboration avec un de nos agents
pour aller jouer sur un des espaces sur le plateau. Et lorsqu'on joue cette carte-là pour l'agent, donc pour placer l'agent, on va faire l'habileté spéciale qui est là. Mais si on ne joue pas cette carte-là pendant notre tour et qu'on la révèle à la phase de justement de révéler notre main, on va pouvoir ramasser ce qui est inscrit en dessous. Donc voilà, fait que ça, c'est fait maintenant. Et tout ça, de ce côté-là, est quand même donc placé, évidemment, vous le placez comme il faut pour que tout le monde ait accès assez facilement à ces cartes-là. Bon, je suis désolé, il y a un petit peu de reflet ici, mais la prochaine partie, c'est de choisir nos personnages. Alors, le jeu de base vient avec 6 personnages qui sont de 4 maisons différentes. Donc, on a ici la maison, donc, Thornvald. Ensuite, on a la maison... Bon, t'sais, richesse ou richesse, m'excuse, hein, il y en a qui sont probablement des plus grands amateurs de Dune que moi, qui connaissent les prononciations. Alors, on en a 2 ici de House Atreides, et finalement, on a House Harkonnen, et ça, évidemment, c'est M. Bautista. Je vous rappelle que ce jeu-là est vraiment basé sur le film qui va sortir de Denis Villeneuve. Alors, ce qui est inscrit dans le jeu, c'est qu'il nous recommande de choisir un des personnages. Évidemment, les personnages qui vont avoir une habileté spéciale secondaire, et il va avoir une habileté également qui a rapport avec une des cartes que vous avez dans votre deck de départ. Il nous recommande de prendre donc un personnage de maison différente, mais il n'y a rien qui nous empêcherait de prendre, par exemple, on pourrait prendre ces 2 personnages-là dans notre partie. Bon, moi, personnellement, là, je peux pas parler pour Hélène qui va faire son choix et qui, au début du premier épisode, je vous donnerai son choix. Mais moi, je vais prendre la comtesse Arianna Thornvald qui va me permettre d'avoir cette habileté spéciale-là. Donc, à chaque fois que je vais aller chercher des épices, je m'en prends un de moins, mais je suis en mesure de me piger une carte et qui va également pouvoir me redonner la ressource d'eau. Alors, je vais mettre ça ici. Je suis désolé pour les reflets. Alors, les autres, évidemment, vont retourner dans la boîte, excepté, je vous dirais, pour le dummy player qu'on placera tantôt, qui lui va également donc prendre un personnage parce que ça pourrait arriver qu'il ait à utiliser. Non, c'est pas vrai. Lorsqu'on joue à 2 joueurs, on n'a pas besoin de choisir de personnage pour le dummy player. C'est quand on joue en solo qu'on va avoir des personnages. Il faut donc avoir ça en tête. Fait que là, une fois que j'ai choisi mon personnage, alors j'ai plein de petits jetons qui viennent avec mon personnage. Donc, premièrement, ici, j'ai 2 cylindres. Alors, il y en a un que je vais conserver qui va me permettre d'aller le placer éventuellement ici dans le conseil. Alors, le High Council, genre, je peux avoir un siège au conseil. Alors, ça, je fais juste le conserver sur ma carte. L'autre, bien, vous allez comprendre que c'est pour comptabiliser les points. Alors, on commence la partie à 0, à moins que vous soyez à 4 joueurs, où là, la partie commence avec 1 point. Ensuite de ça, on a nos 3 agents. Donc, je vous rappelle que c'est un placement d'ouvrier. Alors, je prends 2 des agents, je les mets sur ma carte. Et le 3e agent, c'est pas inscrit, là, mais il y a une place sur le plateau pour pouvoir aller le procurer. Alors, moi, ce que j'aime, c'est de les placer justement là, pour nous rappeler qu'on a un personnage à aller chercher. Donc, je vais le placer là. Hélène va faire également la même chose lorsque ce sera à son tour. On a 3 petites bannières qu'on pourra utiliser. Donc, dans la partie, ces bannières-là vont... il y a 3 endroits. Là, ici, Carthage, il y a Imperial Basin, puis il y a Arrakeen qui est là. C'est des endroits qu'on pourrait donc contrôler à un certain moment dans la partie. Alors, je mets ça là. Et ensuite de ça, vous avez ici le jeton qui pour comptabiliser vos forces, parce que ce jeu-là, il y a des combats. Et les combats vont toujours être déterminés par une quantité de points de force. Alors, je vais mettre ça ici à 0. Hélène va faire également la même chose de son côté. On commence également avec un deck de cartes qui est spécifique pour chacun des personnages. Alors, c'est les cartes de départ qui sont, on les reconnaît avec les petites flèches qui sont là. Donc, on commence avec 2 Convincing Argument. On commence avec 2 dagues, 1 carte de diplomatie, 2 cartes de dune de Desert Planet, 1 carte de reconnaissance, 1 Seek Allies et la fameuse carte qui va actionner donc l'habileté de notre personnage. Alors, on le mélange évidemment et on a un endroit spécifique où on va placer ça ici sur le côté de notre plateau. Donc, on a un deck, l'autre côté, c'est la fameuse défausse. OK. Ensuite de ça, bien, pour ce qui est de la suite, on ne faut pas oublier qu'on a des petits jetons ici. Donc, on a un jeton qui représente l'argent dans ce jeu-là, qui,
Attendez, comment ça s'appelle? Des Solaris? Est-ce que ça se peut que ce soit ça? Des Solaris. Alors, c'est des jetons de Solaris qui est l'argent dans le monde de Dune. Ensuite, on a ça ici qui représente des épices. Donc, vous comprenez que les gros, et là, ils n'ont pas lésigné. Hein? C'est vraiment des énormes lorsqu'on parle des gros. Et ensuite de ça, bien, on a de l'eau. Et là, chacun des joueurs commence la partie avec une goutte d'eau. Et Hélène qui va la prendre également sur son plateau lorsqu'elle aura fait justement ses choix. Il ne faut pas oublier que on commence également la partie avec des troupes parce que ça ici, ces magnifiques petits cubes, je sais que c'est pas très thématique, mais vous allez avoir la possibilité un petit peu plus tard, je pense au mois de mars 2021, la compagnie Direwolf va sortir un upgrade pour le jeu Dune Imperium qui va vous permettre de changer, de transformer ces cubes-là avec des figurines. Mais d'une certaine façon, moi, ça me dérange pas tant que ça. Alors, ces troupes-là que je vais placer ici. On commence avec trois troupes qui sont donc dans ma baraque, dans mon quartier général. Les autres, ce sont toutes des... en fait, pas toute la gang, là, mais ce sont presque toutes des cubes qui vont représenter donc ma réserve. Il ne faut pas que j'oublie que sur le plateau, ici, je dois placer un cube sur chacune des maisons auxquelles je pourrais donc améliorer mon influence pendant la partie. Hélène va faire également la même chose. Et puis, voilà, je pense que tout est maintenant placé pour ce qui est du jeu en tant que tel. Là, ce qui me reste à vous présenter, c'est la préparation de l'automa. Bon, mais pour ce qui est de l'automa, alors vous allez prendre ici ces cartes-là. Et là, ce que je vous présente, c'est vraiment la préparation de l'automa pour une partie à deux joueurs. Il y a quelques petites modifications pour une partie à un joueur. Donc, on prend ces cartes-là qui sont de House Agal. Et je dois enlever, dans le fond, les trois cartes qui sont spécifiquement pour les parties à un joueur. Il ne faut pas oublier d'ajouter également les cartes qui sont pour les parties à deux joueurs. Alors, ce qu'on fait, c'est que évidemment, on mélange bien comme il faut le paquet de l'automa que je vais placer ici à un endroit accessible. L'automa, on choisit une couleur dans le fond. Alors là, j'ai choisi les verts. Alors, ils vont vraiment avoir les trois agents. C'est le seul élément parce que l'automa, lorsqu'on joue à deux joueurs, c'est comme un... c'est un automa qui va servir à bloquer des endroits stratégiques, mais il va également participer au combat. Donc, c'est pour ça qu'également dans vos choix, comme pour nous autres, ils vont également participer à l'influence donc des différentes factions qui sont ici, parce que vous allez comprendre tantôt, le plus on va monter ici, le premier qui va ramasser ce jeton-là va se faire un point de victoire. Il faut dépasser celui-ci pour pouvoir le ramasser. Alors que toutes les autres, dans le fond, cubes vont être sa réserve de bataille, parce qu'il va également participer à la bataille. Donc je vais mettre ici donc son petit jeton-là. Et ça va être comme le troisième joueur qui va participer. Tout le reste des jetons, on les met pas parce que dans une partie à deux joueurs, il ne fait pas de points de victoire. Il ne peut pas prendre donc contrôle de certaines régions. Alors, tout le reste du matériel, on le met dans la boîte. Puis, je vous dirais qu'on est pas mal prêt, à part qu'Hélène, il reste à choisir son personnage et à placer ses choses sur le tableau. Je vais vous donner très rapidement le fonctionnement du jeu. Puis, on aura ensuite terminé donc l'épisode 0 de Dune Imperium. Alors, ce qui est très intéressant dans ce jeu-là, c'est que vous prenez donc une des cartes de personnages qui n'est pas utilisée, puis vous la tournez de côté, et vous voyez que vous allez avoir ici toutes les effets, donc comment se passe une ronde de jeu. Donc, ça se passe en quelques étapes. Alors, vous avez le début de la ronde, ensuite vous avez les tours des joueurs, ensuite le combat, le Makers qui va créer des épices, et ensuite on va rappeler tout le monde. Je vais vous expliquer rapidement un petit peu comment fonctionne chacune de ces étapes-là. OK, fait que dans la première chose qu'on va faire, c'est on va toujours révéler le conflit. Donc, on va toujours savoir quel sera, comme par exemple, si je révélais celui-ci, on voit que celui qui gagne la guerre pendant ce tour-ci va se faire un point. Celui qui finit en deuxième position va se faire une goutte d'eau. Je vous rappelle que la troisième position, on ne la considère pas. Donc, on commence par révéler. Et ensuite, on va se piger une main de 5 cartes. Évidemment, ce que je vous fais là, c'est une exemple. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sera les 5 cartes que je vais avoir pendant
pendant ma partie. Et ces 5 cartes-là, ben, ce sera les cartes que vous allez avoir pour pouvoir faire différentes actions. Parce qu'après ça, dans le tour de l'agent, dans votre tour de joueur, vous allez avoir le choix de soit prendre un tour d'agent ou vous allez avoir le choix de prendre un tour de révéler votre main. OK? Et mais quand vous décidez de révéler votre main, c'est comme si vous passiez, vous ne pouvez plus ensuite de ça. Donc, prendre un tour d'agent. Et le tour d'agent, vous comprenez que c'est de placer un personnage sur le plateau. Fait que c'est un jeu qui n'aura pas tant de tours que ça. Et pendant le tour de l'agent, dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que dans un premier temps, dans un tour d'agent, vous allez choisir une des cartes. C'est très important parce que les cartes, ils ont deux utilisations. Soit l'utilisation pour le tour d'agent, soit l'utilisation pour la carte qui sera révélée dans le tour de révéler votre main. Alors, si par exemple, je décide de jouer la dague qui est là, alors la dague, ça va me permettre donc de jouer mon agent dans un espace dans lequel il y a cette icône-là. Alors, sur le plateau, il y a différents lieux que vous allez pouvoir aller. Donc, vous avez ici les Freemen, Bene Gesserit, vous avez le Space Guild et les Empereurs qui ont des icônes qui sont différentes. Vous avez ici, comme ce que je vous ai présenté il y a quelques instants, alors la fameuse icône ici vert. Alors, ça veut dire que mon agent, je pourrais aller le placer soit ici, là, là, là ou là. Mais évidemment, n'oubliez pas, et si je vous le zoome un petit peu, c'est que chacun des endroits vont avoir des coûts d'associés. Donc, si je vais le placer ici, donc ça va me prendre une carte qui a ce symbole-là sur la carte, mais il va falloir également que je paye 5 solari pour pouvoir jouer là. Alors, si je vais là, c'est 2 solari. Si je vais là, c'est 4. Ensuite, vous avez 8 pour aller chercher votre troisième personnage. Et si vous allez là, ça ne coûte rien et ça va vous donner, vous allez toujours pouvoir prendre les avantages qui sont donc à côté une fois que vous allez avoir payé les différentes ressources. Donc, vous voyez que là, dans ma main, j'aurai aussi également la possibilité d'aller jouer sur un triangle. Alors, le triangle, c'est un endroit qui est juste à côté. Vous voyez, alors vous avez ici et toutes les parties qui sont là, les triangles, ça a plus rapport avec du commerce. Alors, je vais pouvoir aller chercher des épices en allant là, et je vais pouvoir échanger des épices contre des solaris, ou aller me chercher 3 solaris en allant là. Évidemment, un agent bloque complètement un endroit. C'est ça qui est très, très, très important. Vous devez savoir qu'on ne peut pas avoir 2 agents au même endroit. Fait que c'est comme ça que vous allez faire, et là, vous allez jouer jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'agents. Et une fois que vous allez avoir tout joué, vos cartes, ben pas vos cartes, mais en fait vos agents, c'est là que vous allez révéler vos cartes dans la main. Donc, ça, mettons, j'avais joué ces 2 cartes-là. Alors, dans le Reveal, dans Take a Reveal Turn, ici que vous voyez, alors, ce que je vais faire, évidemment, c'est que je vais révéler mes cartes. Alors, mes cartes ici, on voit que j'aurai 4 de persuasion et 1 point de combat, ce qui fait en sorte que je pourrais maintenant aller me chercher une carte avec mes points de persuasion. Et chacun de... c'est à ce moment-ci qu'on va établir ma force de combat ici dans la zone de combat qui est juste ici. Ce qui fait en sorte que pour chaque troupe que je vais mettre ici au centre, ça va me donner 2 points de combat. Comme là, j'aurai 4 points de combat. Et avec cette carte-là, je viendrai de monter à 5 points de combat. Et vous comprenez que celui qui a le plus de points de combat, c'est lui qui va gagner la première position. Ensuite, on a la deuxième position. Et ainsi de suite. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, comme par exemple les cartes d'intrigue qui vont pouvoir modifier la valeur des points de combat, mais qu'on va pouvoir utiliser dans la fameuse phase de combat. Mais juste pour vous dire que donc dans la première partie qui s'appelle la partie du tour de joueur, donc on va placer des agents ou on va révéler notre main pour acheter des cartes et établir notre force de combat. Et les autres joueurs vont jouer jusqu'à temps que tout le monde ait donc fait un reveal turn, parce qu'une fois qu'on a révélé notre main, on ne peut plus prendre d'autres actions. Ce qui me reste à vous présenter un petit peu, c'est quoi les différents espaces sur le plateau. Donc, vous voyez ici, là, pour ce qui est des Freemen, alors quand vous allez là, vous pouvez donc pas placer, mais vous gagnez une goutte d'eau. Mais évidemment, vous devez avoir le symbole. Puis dans votre main de départ, la seule carte, en fait, vos 2 seules cartes qui vous permettent ça. Alors, vous voyez que il y a ici le Seek Allies et il y a Diplomatie. Ce sont les 2 seules cartes qui vous permettent d'aller sur ce côté-là. Ce que j'ai oublié de vous dire, là, c'est très important, c'est qu'à chaque fois qu'on joue un tour d'agent et qu'on joue une carte, ben, on fait également l'habilité qui est là. Comme si je joue cette carte-là pendant le tour d'agent,
je dois la trasher, donc je dois l'enlever de la partie. Ici, si je joue cette carte-là, je vais pouvoir faire l'habilité spéciale de mon personnage avec qui a le petit symbole de la bague qui est là. Donc voilà, si je joue celle-là, vous voyez qu'il n'y a pas d'habilité spéciale. Et c'est pour ça que lorsqu'on va acheter de nouvelles cartes, ben, ils vont nous donner des habilités spéciales qui sont toujours de plus en plus fortes et qui, des fois, vont nous demander d'avoir de faire des combos comme à peu près n'importe quel jeu de deck building, comme il est écrit ici, que ça, c'est pour le symbole, pour tracher une carte. Et si j'ai joué une autre carte Bene Gesserit en jeu, au moment où je joue cette carte-là, ben, je me fais deux épices. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir se créer vraiment des decks en fonction de ce qu'on va vouloir comme disons stratégie. Donc à chaque fois qu'on va jouer ici d'ailleurs, si je vais là pour prendre une goutte d'eau, ici je vais là pour pouvoir justement me recruter deux troupes, je vais vous expliquer dans quelques instants un petit peu comment ça marche. À chaque fois que je vais là, je vais augmenter mon jeton d'un espace vers le haut pour l'influence que j'ai avec cette maison là. Et quand j'arrive ici, je me fais un point de victoire, et quand j'arrive là, le premier qui arrive là ramasse le jeton et se fait un point de victoire. Et si un adversaire me dépasse, ben c'est lui qui va prendre ce jeton-là. Je vais perdre mon point de victoire et c'est lui qui va prendre un point de victoire. Donc, il y a comme une petite course également à ce niveau-là. Il faut vraiment réfléchir à ça. Pour ce qui est des troupes qui est là, donc, et là, c'est ça. Ça, c'est l'aspect qui est peut-être un petit peu plus abstrait, mais je veux que vous compreniez. Là. Donc, à chaque fois, et c'est très important de comprendre cet aspect-là, donc à chaque fois que vous voyez ici des troupes comme ça, donc c'est des troupes qu'on prend de notre réserve et on a la possibilité de prendre ces troupes-là et de les mettre directement au combat ou de les mettre dans le fond quartier général. Par contre, à chaque fois qu'on a un petit symbole avec des épées qui s'entrecroisent sur les différents espaces, il n'y a pas beaucoup d'espace. Tous les espaces de la planète, il y en a. Mais c'est seulement ici, vous avez les Freemen et vous en avez un autre un petit peu plus haut qu'il y en a quand vous prenez les différentes maisons. À chaque fois que vous voyez ça, vous pouvez prendre, en plus de ceux que vous avez mis, si vous les avez mis, vous pouvez toujours en prendre un ou deux de votre quartier général et les rajouter à votre combat. OK? Mais évidemment, ça ne peut pas être ceux que vous venez de gagner. Donc, ceux que vous gagnez, vous pouvez décider de les mettre dans le combat ou dans votre quartier général. Et ensuite de ça, vous pouvez en rajouter un ou deux s'il y a le petit symbole de combat sur la case en question. Après ça, ici, ben, vous voyez, ça, c'est lorsque je vais là, je gagne une carte d'intrigue. Ici, mes adversaires ont 4 cartes d'intrigue ou plus, mais ils doivent m'en donner une au hasard. Ici, on peut donc s'éliminer d'une carte pour piger 2 cartes dans notre deck. Ensuite, si on monte un petit peu plus haut, on a le Fold Space qui nous permet d'aller chercher une de ces cartes-là qui nous permet justement d'aller sur n'importe quelle case sur le plateau, qui peut être très intéressant. Ici, regardez ça, le Lineliner, ça coûte 6 épices pour aller là, en plus d'avoir l'icône en question. Mais en plus, vous vous faites donc 5 troupes que vous pouvez mettre dans la bataille actuellement, en plus de vous gagner 2 gouttes d'eau. Mais ça peut être également 5 troupes. Dans ces 5-là, vous pouvez en placer 3 dans la bataille et 2 dans votre quartier général. Mais je vous rappelle que ensuite de ça, il y a un petit symbole ici. Vous pouvez en prendre 1 ou 2 qui étaient déjà dans le quartier général pour les rajouter dans la zone de combat. Et évidemment, en jouant, vous allez peut-être un petit peu plus comprendre. Ici, c'est pour faire 2 Solari. Et le Conspire qui est là, alors pour 4 épices, en plus de l'icône toujours, vous allez faire 5 Solari, 2 troupes, que vous devez mettre dans votre quartier général parce qu'il n'y a pas de petit symbole, ok? Donc c'est bien important. Je voulais juste être sûr que vous compreniez bien, parce que moi, des fois, je vous dirais que c'est une des règles que je comprends, là, mais que c'est plus difficile à expliquer. Donc étant donné qu'il n'y a pas de petit symbole, je ne peux pas les placer dans le combat. Hein. C'est très important. D'ailleurs, pour s'en souvenir, c'est le même symbole que vous voyez ici. Donc à chaque fois que vous voyez ce symbole-là, vous pouvez mettre des troupes dans le combat, mais sinon, vous devez les mettre dans votre quartier général. Donc ici en haut, là, ces deux symboles-là, ça me permet de prendre les 2 cubes et de le mettre dans mon quartier donc général, et je ne peux pas les mettre dans le combat. Ensuite de ça, les autres endroits ici, donc ça c'est le Lensrad Council. Alors ici, je peux mettre un de mes jetons pour 5 Solari, et là, à partir de maintenant, à la fin de chacun de mes tours, je vais pouvoir avoir 2 donc persuasions de plus lorsque je vais acheter des cartes. Et évidemment, je peux prendre cette action-là une seule fois dans la partie. Ici, ça me permet de me piger une carte et de ramasser le Mantat, qui me permet donc d'avoir un agent de plus pendant le tour. Ici, le Rally Troops pour me mettre 4
troupes de plus dans mon quartier général, mais faites attention, donc pas dans le combat, parce qu'il n'y a pas les petites épées, donc je peux les racheter dans mon quartier général, ce qui me fait donc que j'ai une quantité de disponibles plus importante pour plus tard. Alors on a Oratory qui est une troupe que je peux pas encore mettre dans le combat, seulement dans mon quartier général, plus un point donc de persuasion que je vais pouvoir utiliser à la fin de mon tour. Et ici, ça me permet de me prendre mon troisième agent. Et là, tout ce qui reste après ça, c'est toutes les places pour les, les agents vont aller sur la planète pour aller chercher différentes ressources. Donc, j'ai déjà expliqué ici pour aller chercher des épices. Et là, ici, souvent, les ronds mauves, ça va me prendre ici, donc ça va me permettre de me faire une troupe que je vais pouvoir placer immédiatement dans le conflit. Et en plus de ça, je vais pouvoir en racheter un ou deux autres qui sont dans mon quartier général. C'est la même chose dans tous les espaces qui sont sur la planète. Je peux toujours donc rajouter des gens dans le combat en question. Alors ici, c'est pour me piger trois cartes, mais ça me coûte deux gouttes d'eau. Ici, ça ne coûte rien, mais je me ramasse une troupe et une carte d'intrigue. Et là, j'ai une troupe et je me pige une carte. Je vous ai pas mal tout expliqué. Les espaces, et si vous ne comprenez pas totalement encore exactement comment fonctionne le processus des combats, dites-vous qu'en juin, on va tout vous présenter ça, et ça va être beaucoup, beaucoup plus clair. Donc voilà, fait que je vais replacer ça. Et là, ce qui me reste à vous expliquer, c'est les dernières phases qui restent. Alors, c'est la fameuse phase de combat ici. Donc, une fois que tout le monde a joué, on sait combien que tout le monde a donc de force militaire. Et c'est là qu'on va pouvoir jouer des cartes d'intrigue pour augmenter ou faire des changements, des modifications dans le combat. Celui qui a le plus grand nombre de points gagne la première place, et ainsi de suite. Ensuite, le Makers, tous les endroits ici où il y a des épices. Donc, s'il n'y a pas d'agent, donc si par exemple, j'avais pas mis, donc j'ai mis un agent là, mais j'en ai pas mis un là puis un là. Alors, ce que ça fait en sorte, c'est qu'à ce moment-ci, on va avoir des épices supplémentaires qui vont apparaître pour les tours prochains. Et ensuite, on ramène tout ça, tous les agents, le mentat retourne à sa place. On regarde si évidemment on est à 10 points sur la limite et on passe le premier joueur parce que le premier joueur change toujours d'une partie à l'autre. Et je vous rappelle dans tout ça que le dummy player, lui, va s'occuper de tout ça, d'essayer de nous bloquer des places. Il va également participer au combat. Puis on va vous expliquer en jouant un petit peu comment fonctionnent les cartes. Je vous rappelle également que vous pouvez jouer avec l'application qui a été faite par Dire Wolf. Qui vous permet de ne pas utiliser les cartes, mais c'est la seule chose, ok? C'est le seul élément là, qui change si vous ne voulez pas nécessairement jouer avec les cartes de l'automa. Dites-vous qu'il y a une application pour ça. Fait que voilà, mesdames et messieurs, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous présenter pour Dune Imperium. Alors, tout ce qui reste à savoir maintenant, c'est qui va gagner la partie. Ça sera, je vous le dis, hein, c'est un jeu in your face, c'est pas un jeu amical, c'est pas un jeu coopératif, c'est un jeu qui est très, très, très compétitif. Je vous dirais que le but de ce jeu-là est de littéralement forger des alliances pour pouvoir se faire des points. Il n'y a pas beaucoup de points de victoire dans ce jeu-là. Fait que tout ça, c'est quelque chose qui dure. C'est quand même une partie qui peut être assez longue. Fait que préparez-vous pour peut-être un, deux ou trois épisodes, mais c'est sûr et certain que ça sera une partie épique. Alors, on vous invite pour venir donc apprécier cette partie-là très bientôt. Alors d'ici ce temps-là, ben, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook ainsi que mon Instagram. Allez faire également un petit tour chez mon commanditaire Le Valet de Cœur au www.levalet.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon. Et tout ça est dans la description de la vidéo ainsi que le lien pour vous procurer un chandail à l'effigie de la Zone de Société. Et d'ici la prochaine fois, et d'ici, disons, l'épisode 1 qui devrait être en ligne très très bientôt, bien, amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt.